dimanche à Abobo, l'une des 13 communes de la capitale ivoirienne, Abidjan. Il est 9h dans cette commune de plus d'un million d'habitants où se côtoient en harmonie musulmans et chrétiens. Dans le quartier SOS, seuls quelques pas séparent la mosquée de l'église méthodiste unie. Minaret et croix se font face, symbole d'une parfaite cohabitation. Ce dimanche matin, les fidèles de l'église méthodiste d'Abobo se préparent pour un culte particulier auquel nous allons assister. Ce genre de culte a lieu tous les premiers dimanches du mois. Peu avant le début du service, le rythme de la musique s'est accéléré, emportant avec lui les fidèles dans un mouvement dansant. Après ce prélude musical, le culte peut commencer. Le service du pasteur Julien Ayeyapi porte aujourd'hui sur le changement des normes sociales dans le but de permettre une meilleure autonomisation des femmes et des jeunes filles. Pour lui, cela est avant tout de la responsabilité des parents. C'est nous les aînés qui devons être des repères. Mais si nous on couche avec des enfants de 4 ans, on va faire comment? On va faire comment? Quand nous on n'arrive pas à accompagner nos femmes à l'hôpital, on va faire comment? À un camp, je me rappelle à Yamsoko, j'ai demandé à un enfant, quand tu vas grandir, tu vas te marier. Il dit oui, je vais me marier. Alors comment tu as vu avec ta femme? Il dit oh, je vais la frapper chaque fois. Je ne connais pas ses parents, hein, mais je sais déjà, à partir de là, je sais que son père frappe sa femme comme si c'était un ballon ou une chute. Voilà. Voilà le modèle que nous leur donnons. Changeons l'épaule de fusil d'épaule et notre société va aller de l'avant. Parents, bénissons nos enfants. Bénissons nos enfants. Encourageons-les. Permettons à nos enfants d'avoir l'estime d'elles-mêmes. Je dis elles-mêmes, je ne dis pas d'eux parce que les hommes, souvent, ils sont un peu privilégiés. Mais les jeunes filles, faisons en sorte qu'elles aient l'estime d'elles-mêmes et vous allez voir, à chaque événement, elles vont courir vers vous pour vous dire ce qui se passe. Le pasteur Julien Ayeyapi fait partie des religieux ivoiriens qui sont engagés dans le SOED, le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, mis en œuvre dans 7 pays pour environ 295 millions de dollars, soit plus de 173 milliards de francs CFA. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad sont les bénéficiaires de ce projet financé par la Banque mondiale, coordonné par l'UNFPA et mis en œuvre par des partenaires d'exécution. En Côte d'Ivoire et dans les autres pays, les religieux jouent un rôle déterminant dans l'atteinte des objectifs du projet. Toutes les églises qui composent l'ARCIP ont accepté de s'engager dans ce projet-là. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'on a eu 100%, mais on peut estimer à 80-90%, parce que ici même, on a fait la formation par ici. Donc les gens, d'une manière générale, ils ont accepté d'aller avec les causeries des enfants pour mettre fin, si cela est possible, parce que peut-être on a réduit, mais je pense qu'il faut viser haut, mettre fin aux grossesses précoces. Déjà, nous, au niveau de notre district à Bobo, les responsables ont initié des programmes qui amènent aujourd'hui les femmes à se prendre en charge. Par exemple, nous avons une coopérative, même au niveau de la conférence de l'Église, qui a été créée justement dans le but d'aider nos femmes, nos mamans à vraiment apporter leurs connaissances, surtout dans le domaine de la fabrication de la tiéké. Donc cette coopérative-là est en train d'être mise en place. Les responsables sont déjà connus et des tournées aujourd'hui sont en train d'être menées un peu dans les églises de notre district pour sensibiliser les femmes et les amener vraiment à prendre une part active dans cette coopérative-là. Je pense que c'est un très bon message qui est venu parce qu'aujourd'hui, la communication dans le couple, elle est très importante.
Lorsqu'il n'y a pas de communication dans le culte, je pense que la femme est mise en marge. La femme est marginalisée parce qu'elle ne se sent pas dans le couple. Alors que lorsqu'il y a la communication dans le couple, monsieur et madame s'entendent, les enfants sont associés et donc il y a la réussite des enfants. Yvette Edichi est la directrice exécutive d'ARCIP, l'Alliance des religieux pour la santé intégrale et le développement de la personne humaine. Son organisation, dont le pasteur Julien Ayeyapi est membre, incite les religieux ivoiriens à intégrer les thématiques liées à la condition de la femme et de la jeune fille dans leurs messages. L'ARCIP a pu former plus de 250 imams, chefs de village, pasteurs, prêtres, et qui ont pu à leur tour toucher plus de 35 000 personnes à travers les prêches, à travers les réunions de village, à travers les causeries de groupe avec les parents et tuteurs, des bénéficiaires des espaces, des écoles de mari, de futurs maris. Et on a senti un changement dans le comportement. On voit que de plus en plus, les hommes commencent à se voir avec leurs femmes, les femmes commencent à se voir avec leurs maris comme des équipes. Les enfants commencent à se voir frères et sœurs comme des amis, comme des partenaires. Il n'y a plus, la femme, elle ne peut pas apporter grand-chose. C'est l'homme qui est devant. Ils voient qu'ils sont complémentaires. Et nous pensons que c'est là le premier niveau de changement qui leur permet de maintenant aborder au mieux les questions de discussion dans le couple sur combien d'enfants nous pensons que nous pouvons prendre en charge. Combien d'enfants nous pouvons faire qui vont bénéficier de tous les services, qui vont pouvoir aller à l'école. Vous voyez qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, la discussion est... Ce n'est plus que je vais scolariser le garçon parce que c'est lui qui va rapporter la nourriture à la maison, qui va s'occuper de nous. Mais ils ont compris que les femmes aussi font équipe avec les hommes.